C'est grave, c'est grave. Ah, Kaboul est mort, Kaboul est mort. Kaboul n'en dit plus mort. Kaboul n'en dit plus mort. C'est dépassé. Merde, merde. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle vie, ça, d'abord? C'est quelle vie? Pourquoi? M'appelez plus pour le moment, je suis pas d'humeur. Merde. Aïe, 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 aïe. Et aucun buzz. Arrêtez souvent les Camerounais quand on est sérieux. C'est quel buzz là? Il peut venir faire le direct. Il peut venir faire le direct que je m'amuse. Seigneur Jésus. D'abord, l'état de la voiture montre même que quelqu'un qui était dedans ne pouvait pas vivre. L'état de la voiture montre que quelqu'un qui était dedans ne pouvait pas vivre. Qu'est-ce qui ne va pas, là? Comment c'est comme ça? Chassé. Ah. Voilà. J'arrête la main de... Arrêtez de m'appeler, pardon. Arrêtez de m'appeler. Je ne suis pas d'humeur, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler avec les gens. J'arrête la main de Kaboul en 2018. Mars 2018. Je faisais la une de Ria Gogo. Parce qu'on a commencé Ria Gogo 2017-2018. J'étais le meilleur humoriste de Ria Gogo. Beaucoup venaient rien que pour me voir. Beaucoup venaient à Ria Gogo. Beaucoup venaient à Ria Gogo pour me voir. À ce moment, c'était moi seul qu'on parlait. Et Kaboul avait à créer son concept. Libro Mobo, les joyeux anniversaires. Les joyeux anniversaires avec le téléphone. Libro Mobo, Happy Birthday, tout et tout et tout. Ça prenait, ça avait plus le pouvoir. Mais il fallait compléter quelque chose. Donc l'humour a arrêté. Allô, voilà. Kaboul donc vient me voir. C'était chez Sonia. Au Carrefour Combi. En 2018, il va encore me rappeler, c'était en mars 2018. J'étais en train de boire le vin blanc. Kaboul m'appelle parce qu'il était voisin avec moi. Il était au rond-point CCC. Moi, j'étais à Dakar, donc il était en haut, moi j'étais en bas. Mais j'ai mal parce que, vous savez, même si vous avez des clashs avec quelqu'un, c'est juste... Désolé, on m'appelle, je reçois tellement les appels. Kaboul donc vient me voir. Kaboul vient me voir. Carrefour Combi, c'est Sonia. Quand on crée pas les choses, je vais bloquer. C'est Emery, quoi là, je vais bloquer les bêtises ici. Il vient me voir, gâteau. Je vais être comme toi, je vais faire l'humour comme toi. Étant donné que c'était, il prenait déjà l'ampleur dans les réseaux sociaux, moi aussi, il fallait que je me colle à lui pour que mon image aussi dans les réseaux sociaux évolue. C'est là où je commençais donc à travailler Kaboul N'Djib. Le premier samedi où on sort, il y a même les vidéos sur YouTube partout, vous allez voir.
Ce jour, j'avais 4 mariages. J'ai invité Cabré dans les 4 mariages. Je lui disais comment ça se passe. Comment on fait devant le public? Que c'est différent des vidéos que tu fais sur Facebook là. Voilà comment on arrête le micro, voilà les mots qu'on dit. Tu amènes d'abord le public à t'écouter et tu essayes d'amener le public à entrer dans ta gamme. C'est comme ça que la formation commence en 2018, en mars 2018. C'est comme ça que lui et moi on fait des duos, on fait des vidéos. En 2019, on nomine Cabrel au Canal d'Or. Il m'appelle à 23h que papa, on m'a nominé. Je suis nominé au Canal d'Or. Il dit que voilà, bravo, bravo. Je retire ma photo de profil. Je mets sa photo du Canal d'Or. Je demande aux gens de voter. Alors directement, il y a un mépris qui a commencé. Au fait, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Beaucoup me demandent que tu bavardes maintenant pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce direct. Je vais me rendre sur les lieux tout à l'heure là. Je suis dans la voiture, donc je m'apprête même comme ça à partir. Mais je vais faire un direct de 20 minutes avec vous. Alors le mépris commence à s'installer. Cabré qui était doux, qui était assidu, change complètement de face. Cabré devient une autre personne. Cabré commence à marcher avec des grandes personnes. Cabré commence à marcher avec des personnalités. Ou quand je l'appelais même, ça n'avait même plus de place. Donc, j'étais plus quelqu'un devant Cabrel, quoi. Un jour, je l'appelle et dit que Cabrel, je suis dans ce monde depuis. Cabrel, je suis dans ce monde depuis. Tu es en train de courir. Tu es jaloux. Il m'insultait comme les... En fait, je ne suis pas en train de dire que... Écoutez un peu le sens de ce que je veux parler. Parce que je vous dis quelque chose, ça va aider beaucoup de personnes qui veulent courir dans le showbiz ou bien dans le monde. Et Cabrel, tu cours. Tu es venu me trouver dedans, non? Je t'ai dit que tu cours. Laisse ça. Je dis que moi, pas le temps de Dieu n'a pas encore. Je dis que moi, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Hein? On te dit qu'il faut, il faut, il faut, il faut. Dieu c'est qui? Je dis que Cabrel, tu cours. C'est comme ça que Cabrel et moi, les distances commencent à se créer. Mais malgré tout, Cabrel ne m'abandonne pas. Hein? Cabré ne m'abandonne pas, il dit quand même dans son cœur que non, ça c'est mon père. C'est grâce à lui que je suis même nominé en tant que humoriste. C'est grâce à lui que j'arrête les micros, je suis sollicité dans les mariages. Il continue à m'appeler. Et ce n'est plus pareil quand même. Ce n'est plus pareil. Alors directement, un matin, quand je ne venais plus, je n'acceptais même plus ses invitations. Tout. Un matin, Cabrel débarque. Parce qu'il était à Bonham, ça dit, moi j'étais à Dakar. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Hervé Matou, apprenez souvent à écouter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes difficile. Écoutez ce que je vais parler. C'est très important. C'est pour édifier beaucoup de personnes. On se sert du malin de quelqu'un pour sauver beaucoup de personnes. Vous avez suivi, non? Si vous ne voulez pas écouter, vous quittez. Je vais parler ce qu'il y a à parler. C'est important. Il vient donc ce jour au Carrefour Combi. Cabrel me dit, je vais gâteau international, je vais. Dadju va venir au Cameroun, avoir Orange, c'est moi qui va présenter et tout et tout et tout. Je t'ai dit, gâteau, hein, tu es là toujours, tu es derrière, machin, tout comme ça. Il faut. L'anniversaire Samuel et tout, c'est tel jour. Viens à Bonham, ça dit, on va faire. Moi, c'est parce que vraiment. D'abord, je fais cette vidéo pour vous confirmer que ce n'est pas le bœuf. Et de deux, pour donner une leçon à certaines personnes. Quand il vient, il me dit, voilà, voilà. Moi, je lui dis que, ok, je vais venir, mais je ne suis pas venu. C'est depuis ce jour que Cabrel commence à me tirer dans les réseaux. Mais je n'avais pas de poids avec lui, ni moi. Parce que quand on se voyait, on s'embrassait, on riait. Une fois, j'avais fait une sortie ici.
La vidéo maintenant est sans filtre. Une fois, j'avais fait une sortie ici où j'ai parlé. Un direct où j'ai dit que Cabrel, tu es mon fils. Tu es mon petit frère en âge. Tu es mon petit frère dans le showbiz. Tu es mon petit frère en tout. C'est moi qui t'a mis dans ce que tu es aujourd'hui. Je te dis que tu cours. Là-bas, voilà là où Cabrel et moi, on ne s'appelle plus jamais. J'écrivais même Cabrel. Cabrel ne me répondait plus. Et peut-être tout, Cabrel ne me gérait plus. J'étais plus important pour Cabrel. Cabrel, si les parents de Cabrel écoutent, la voiture que Cabrel roulait, 30 millions, on lui a seulement donné. Je ne veux pas citer le nom de la personne qu'on a donné. Qui lui a donné. On lui a donné cette voiture. Nous, on connaît tout. À un moment dans la vie, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Je ne suis pas en train de dire toujours que tu as peut-être mis la main quelque part, mais il dit qu'il faut avoir le discernement. Ça veut dire que il ne faut pas envier. Il faut rester dans ton coin. C'est Dieu qui bénit. Il faut savoir ce qui est bien pour toi. Il faut savoir ce qui est mauvais pour toi. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas le buzz Cabrel d'Angie est mort. Mais vous qui êtes dans le showbiz là, vous allez seulement me tuer. Moi, j'aime dire la vérité. Tout ce que vous bavardez, là, je ne gère pas ça. Je suis quelqu'un de vrai. Tirez sur moi comme vous voulez. Je suis quelqu'un de vrai. Je deviens fou parce que mon fils et moi, je suis dérangé. Cabrel est décédé. Je suis la première personne qu'on appelle pour me dire. Je n'avais pas encore le courage d'annoncer dans les réseaux. C'est pour ça qu'il fait ce direct pour vous annoncer. Regardez l'heure qu'il lance. Pour vous annoncer qu'il est mort. Et pour vous dire que la vie, c'est doucement. J'ai toujours parlé bien. C'est Steph Diamond, c'est parce que vous ne m'avez jamais compris. La vie, c'est doucement. Je l'avais appelé, que Cabrel, le Togo ou le Bénin que tu parles. Je ne sais pas si c'est le Togo ou le Bénin. Je connais beaucoup d'artistes qui partaient là-bas et je sais pourquoi ils partent. Je l'avais appelé, moi je l'avais appelé. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait en Nigeria. Eric n'est pas plus là-bas. Rentre là-bas, je ne sais pas ce que tu es parti faire. Ce n'est pas un spectacle que tu allais faire là-bas. Je connais beaucoup d'artistes qui partent là-bas. Vous avez à peine rentré de son Bénin ou son Togo. Vous voyez? À peine rentré du Togo ou Bénin. Vous avez vu? J'ai dit à peine. Il est rentré, ça fait même pas encore une semaine. Ça fait pas encore une semaine. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes mesquins? Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes hypocrites? Excusez-moi, je ne vais plus dire certains, mais je pense qu'il va dire tous les Camerounais. Tous les Camerounais, vous êtes hypocrites. L'autre vient qui ne savent pas à quel moment blaguer, à quel moment être sérieux, qui laisse ça, tu es content. Vous ne savez pas que même si tu as les poids avec quelqu'un, tu ne souhaites pas sa mort. Je n'avais pas de poids avec Cabrel, on était dans notre buzz. Vous avez suivi? Arrêtez un peu de blaguer. À peine rentré du Togo, s'il vous plaît, faites attention. Père ton âme, mon fils spirituel. Père ton âme, Cabrel Nangib. Quelqu'un bourré de talent, inspiré comme son père, avec la spontanéité comme son père. Cabrel Nangib n'est plus. Ceux qui sont toujours la tête sur le manyanga qui coule dedans, c'est comme si on a mis un tuyau comme ça pour mettre. Quand on parle d'information, ça passe par là. Qui sont toujours en train de dire que c'est le buzz là. Arrêtez d'être stupide. Ces jeunes artistes là. Regardez ma carrière. Ils se moquent de moi. Hein? Beaucoup se moquent de moi. Regardez ma carrière. Ils se moquent de moi. Te voilà, tel qui te dépasse, tel que je ne cours pas, le temps de Dieu va arriver dans ma vie. Tout ce qu'il veut vous dire, c'est d'être patient et de croire en ce que tu fais. Vous allez voir la suite. J'en ai terminé. Moi, je pars maintenant à l'hôpital. On m'a appelé, il est entre Edea, à la frontière entre Edea, dans un hôpital là-bas. Je vais arriver, je vais appeler le numéro, je vais voir le corps, je vais
Dès que je serai là-bas, je vais lancer un autre direct pour que vous voyez. Arrêtez de blaguer quand c'est sérieux. Mes condoléances, Cabrin Angip.